Bien, alors une petite vidéo avec une turbine différente. Là, j'ai pris une turbine d'aspirateur dont les pales sont très 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 courbées et avec une sortie qui est pratiquement tangentielle au diamètre afin de voir si le flux sortait toujours de manière tangentielle ou radiale ou plus radiale. Donc voilà, donc j'ai on va mettre en route. Alimentation. Voilà. Et donc on s'aperçoit que le comportement des pales est identique à l'autre turbine où les pales sont beaucoup plus comment dirais-je? Je vais arriver un peu d'un autre côté. Voilà. Voilà, donc là les pales se comportent de la même manière avec l'autre turbine, dont les pales sont orientées un peu différemment. Voilà, donc ça confirme que le flux sort toujours de manière tangentielle à la turbine, quelle que soit en fait l'orientation des pales. La vélocité peut être un peu différente, mais le principe est le même. Voilà.